Quelle est la meilleure ville pour investir en immobilier au Québec? Dans cette vidéo, je réponds à une question qui m'est posée assez souvent sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte où je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Donc, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu et surtout à laisser un commentaire car dès que je fais ça, YouTube référence la vidéo, donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'aurai un cadeau pour toi. C'est un e-book offert où je te montre 5 étapes pour investir en immobilier et également une vidéo offerte où je t'explique comment j'ai fait 100 000 euros de profit en immobilier en un an, c'est-à-dire 150 000 dollars grâce à l'investissement immobilier. Donc, dans cette vidéo, je me retrouve à Montréal, donc après avoir été au Cameroun et en France. Donc là, je suis revenu à Montréal quelques temps avant de partir vers de nouvelles destinations. Et dans cette vidéo, je me trouve chez moi, contrairement à d'habitude où je suis au bureau ou en déplacement. Là, j'ai décidé de tourner des vidéos chez moi à la maison. Alors, dans quelle ville investir en immobilier au Québec et même partout ailleurs? Parce que cette vidéo, ce n'est pas que pour les personnes au Québec, c'est également pour les personnes en francophonie de manière générale. Donc, dans quelle ville investir en immobilier? Moi, je vais te donner mon avis personnel. Après, si tu peux avoir le même avis que moi ou avoir un avis différent, moi, je vais t'expliquer comment est-ce que moi, je procède depuis que j'ai commencé à investir en immobilier. Alors, on va faire un petit retour en France où j'ai commencé mes gros investissements immobiliers. En France, moi, j'investis principalement dans des grandes villes. Dans des grandes villes, en banlieue parisienne, petite couronne, deuxième couronne. Je préfère les grandes villes, pourquoi? Parce que c'est des marchés, certes, à prix élevé, mais du coup, c'est des marchés liquides. Tu vois, c'est des marchés liquides où tu peux acheter et vendre, enfin, surtout vendre très facilement. Parce qu'il y a une plus grosse demande de logement par rapport à l'offre disponible, donc ça fait que les prix sont un peu plus élevés. Mais par contre, tu peux également vendre assez rapidement. Donc moi, c'est comme ça que je procède et c'est comme ça que j'ai procédé en France. Donc, toutes mes acquisitions ont été faites en Île-de-France. On m'a fait des propositions d'acheter dans des villes un peu plus éloignées. Mais bon, j'ai jamais adhéré. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que je ne connais pas la ville en question, ces villes en question. Et deuxièmement, voilà, moi, j'aime mieux investir proche de mes biens, proche de ma famille, etc. Et c'est la même chose en immobilier au Québec ou même dans d'autres villes en fait. C'est qu'il faut que tu te dises en fait quelle est la meilleure stratégie pour toi. Moi, j'ai une stratégie patrimoniale et rendement. C'est sûr qu'en investissant dans des petites villes comme, je sais pas, Trois-Rivières, comme Sherbrooke, etc., des villes un peu plus petites que Montréal par exemple ou Québec, c'est sûr que tu vas avoir des rendements plus intéressants. Tu vas avoir des cash flows peut-être plus intéressants. Ok? Mais moi, par exemple, je préfère les villes à taille moyenne, pour ne pas dire les grandes villes, je préfère les villes à taille moyenne parce que les prix sont plus élevés, donc indirectement, tu capitalises un peu plus tous les mois. C'est sûr qu'il y a une grosse différence entre avoir un immeuble, par exemple, à Trois-Rivières et un immeuble à Montréal. C'est peut-être la même superficie, c'est peut-être le même type de logement, mais ce n'est pas la même valeur. Du coup, ton enrichissement au mois n'est pas le même à Trois-Rivières qu'à Québec, qu'à Montréal ou même qu'à Toronto. Tu vois, donc c'est ce que tous les mois, par exemple, un investisseur qui a un immeuble à Montréal, le même type d'immeuble à Sherbrooke ou à Trois-Rivières, l'investisseur à Montréal va s'enrichir beaucoup plus rapidement que l'investisseur à Trois-Rivières. Après, comme je le répète dans cette vidéo, c'est propre à chacun. Moi, c'est ma stratégie parce que moi, j'ai une stratégie, je le répète, semi-patrimoniale, donc c'est-à-dire je vise le patrimoine et également du rendement. Et comment en fait faire finalement pour avoir du rendement dans ces moyennes et grandes villes en fait? Il faut des stratégies d'optimisation assez poussées. Donc il faut que tu optimises, que tu pousses les revenus locatifs à fond pour pouvoir tirer le maximum de cash flow. Je te donne un exemple. Que de louer ton logement uniquement à une famille entière, tu peux faire de la colocation. Tu peux faire de la colocation
saisonnière. C'est-à-dire que tu peux louer plusieurs chambres d'un appartement sur Airbnb. Que de louer tout l'appartement sur Airbnb, tu peux louer chaque chambre, donc aménager, optimiser, meubler et faire le nécessaire pour pouvoir louer chacune des chambres sur Airbnb de façon séparée. Et là, crois-moi, tu peux exploser ton cash flow et tu peux avoir des résultats même dans des moyennes et grandes villes. Donc vraiment, moi, c'est cette stratégie-là que moi, je te recommande, et parce que c'est ma stratégie et c'est la stratégie également que j'aborde avec les personnes qu'on accompagne en immobilier depuis maintenant plusieurs années. Voilà, on est sur ces stratégies semi-patrimoniales, donc patrimoniales et rendement locatif, donc stratégie d'optimisation vraiment poussée en fait. Et pourquoi en fait ce choix-là? Donc là, c'est vraiment à titre personnel. C'est que moi, je me dis, j'ai envie de laisser un héritage important à mes enfants, enfin voilà, à ma famille, etc. En cas de pépin, par exemple, j'ai envie de vraiment laisser quelque chose de gros. Et tu vas acquérir plus de capital dans des moyennes et grandes villes que dans des petites villes en fait. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible d'acquérir du capital dans des petites villes, mais tu vois, je préfère frapper de gros coups d'un coup que de, comment dire, accumuler les petits, enfin des immeubles ayant de petites valeurs ou même des appartements ayant de petites valeurs. Je te donne un exemple. Tu peux avoir un immeuble, je ne sais pas, à Trois-Rivières à 100 000 $ et à 150 000 $ par exemple, et un immeuble à Montréal, je ne sais pas, à 400, 500 000 $. Tu vois, donc demain, ce que tu laisseras à ta famille, ce sera 400 000, 500 000 $ et non 100 000 ou 150 000 $. Donc, ça n'a pas la même valeur. Peut-être que tu vas faire plus de cash flow avec la petite ville, mais derrière, tu vas laisser quelque chose de moins important à ta famille, tu vois. Donc, il faut vraiment voir un peu ces stratégies-là. Ne pas toujours aller vers des villes où c'est moins cher. Ne pas toujours aller vers des villes où voilà, les biens ne valent rien, etc. Parce que il faut aussi analyser quelque chose, c'est que si demain tu veux vendre un bien, je te donne un exemple par rapport à la France, c'est sûr que vendre un immeuble à Compiègne, c'est pas la même chose que vendre un immeuble en Île-de-France, à Pantin ou à Aubervilliers ou même dans Paris. C'est pas la même chose. Tu vois, donc imagine quelqu'un qui a 200 logements à Compiègne et quelqu'un qui a ne serait-ce que 50 logements en Île-de-France, par exemple, ou quelqu'un qui a 200 logements à Trois-Rivières et quelqu'un qui a peut-être, je ne sais pas, 70 logements sur Montréal. Peut-être en termes de valeur, ça s'équivaut, très certainement, mais en termes de patrimoine, c'est beaucoup plus intéressant dans les grandes villes. Et même en termes de gestion à titre personnel, ça va être plus facile de gérer peu de biens qu'un ensemble de biens en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté cette course ici au Québec de celui qui a le plus grand nombre de portes. Parce que moi, et c'est pour ça que je me différencie un peu, c'est pour ça qu'on se différencie avec notre groupe d'investisseurs d'autres investisseurs, c'est que nous, on ne fait pas la course au nombre de portes, on fait la course au capital, au patrimoine et au cash flow également. C'est vraiment ça notre objectif. C'est-à-dire, moi, je connais des personnes qui, avec 5, 7 logements, je te parle même de condos, hein, 5 et 7 condos, ils ont plus de cash flow que quelqu'un qui a peut-être 50 logements, voire 60 logements dans une petite ville. Tu vois, donc ça n'a rien à voir. Donc nous, c'est vraiment ce type de stratégie-là qu'on met en place. C'est-à-dire, on veut créer du gros patrimoine et pousser le cash flow au maximum pour pouvoir atteindre nos objectifs et tout en vivant convenablement. C'est-à-dire, moi personnellement, je préfère gérer peu de logements, mais avec une grosse valeur et beaucoup de cash flow. Quand je dis valeur, c'est patrimoine. Donc, ayant un gros patrimoine générant beaucoup de cash flow, que gérer 300, 500 logements, tout ça pour flatter mon ego, pour dire que j'ai 500 logements. Tu vois, pour moi, c'est pas ça l'objectif. Mais demande-toi en tout cas, quel est le prix à payer d'avoir peut-être 500 000 logements, je sais pas. Tu vois, moi, je connais pas d'investisseurs ayant des centaines de logements qui ne travaillent pas énormément. Ça demande beaucoup de travail. Donc, il faut pouvoir justement créer l'équilibre à ce niveau-là. Et tout ça va dépendre de ce que toi, tu veux finalement. Est-ce que toi, tu veux chercher la rentabilité à tout prix pour pouvoir également avoir le plus de nombre de portes possible? Est-ce que tu veux plutôt avoir une stratégie plus mixte? C'est-à-dire, tu te dis, ok, je cherche du rendement, mais je me constitue également un patrimoine solide que je pourrais léguer facilement
Parce que c'est sûr que transmettre, je sais pas, 5 ans de logement valant, je sais pas, 10 millions par exemple, je donne un chiffre comme ça, c'est pas la même chose que de transmettre 100 logements qui valent également 10 millions, tu vois, en termes de gestion, en termes de transmission, en termes de fiscalité, etc., droit de succession, bref, tout ça, c'est pas le même type de gestion en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je me prépare à ça en me disant non, mais je veux également que lors de ma succession, que le patrimoine soit de telle disposition que ça ne crée pas de problème pour mes enfants, ça ne crée pas de problème pour pour mon entourage, tant en termes de gestion et même en termes de revente, etc., si jamais il faut revendre des biens, etc. Donc vraiment, c'est ce vers quoi je voulais t'amener dans cette vidéo. Donc toi-même, je t'invite à me dire également quelle est ta stratégie. Est-ce que tu es plus petite, grande ville ou moyenne ville? Est-ce que tu es plus dans une stratégie, ok, de cash flow, rentabilité ou dans une stratégie hybride ou même tout simplement patrimonial? Parce qu'il y a des gens, ben, ayant certains moyens, bien évidemment, je parle notamment des chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de cadres supérieurs, ces personnes-là ont plus tendance à plus faire du patrimonial. Donc, ils ne cherchent pas forcément le rendement. Donc, typiquement, c'est quelqu'un qui va avoir du 200 000 euros ou 200 000 dollars de disponible. Lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est placer cet argent-là dans un actif qui est sûr comme l'immobilier. Il va juste placer, donc faire un investissement limite cash. Donc, il va acheter cash, se dire, ok, ça me sort, mais 2, 3, 4, 5% de rendement à l'année, that's it. Et il est content avec ça. Et honnêtement, moins le rendement est élevé, moins tu as de gestion, de stress, si je peux dire. Ce n'est pas tout le temps le cas. Mais voilà, normalement, quand tu fais ce type de placement immobilier, là, c'est pas, je ne parle pas d'investissement, c'est du placement immobilier. Tu as beaucoup moins de stress, beaucoup moins de gestion à faire. Donc voilà. Je t'invite vraiment à mettre tes commentaires, à liker cette vidéo et à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir en immobilier. Et moi, je te retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, toujours à Montréal, avant de repartir vers une nouvelle destination. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.